sommes le premier gouvernement qui a un vrai plan écologique, qui est chiffré, vérifié par des experts et qui prend compte de tous les secteurs. Notre but est un virage vert à 100 % d'ici 2030. Les changements climatiques, beaucoup trop délaissés dans les années précédentes, seront au cœur de tous les débats, de toutes les discussions, peu importe le ministère ou le secteur. Ça, c'était moi, première ministre du Québec au 29e Forum étudiant. C'était peut-être une simple simulation pour former la relève politique, mais pour moi, c'était plus que ça. Est-ce possible d'emmener l'environnement au sein de toutes les discussions? L'activisme environnemental peut-il vraiment avoir sa place en politique? En ce moment, une chose est certaine. Le cynisme croît chez les jeunes, notre gouvernement se polarise, les manifestations se multiplient, le temps coule et l'eau monte. Notre gouvernement n'est pas toujours ouvert aux critiques, leurs actions souvent anticlimatiques, et je sens que nous sommes dans une période de perte de momentum post-élection, post-COVID, post-Greta. Rien ne se passe. C'est anticlimactique. Donc, je suis avec Mara aujourd'hui. Tu fais partie du comité Jeunesse 22, du Lab 22, puis aussi du Hub. Tu fais aussi partie du Students Commission of Canada. Student Commission of Canada. Absolument. Tu t'appliques beaucoup dans ta vie. C'est quoi l'engagement pour toi? Pour moi, l'engagement, en ce moment, c'est qu'il n'y a pas d'autre option. Je pense qu'avec l'état du monde, avec les rapports du GIEC qu'on reçoit, avec l'état de tous nos filets sociaux, il n'y a pas d'autre avenue pour moi que de m'impliquer. Sinon, je serais juste fâchée. Puis j'aime donner un moteur d'action à ma colère. Pourquoi cette façon plus qu'une autre? Pour moi, ça a été... Moi, j'ai décroché au secondaire. Donc, tout ce qui était question scolarité, puis dans la lutte étudiante, c'est pas quelque chose dans lequel je me voyais beaucoup. Fait que je me suis dit que j'allais m'impliquer à ce niveau-là, retourner aux études. Fait que c'est vraiment pour ça. On a vu avec la COP15 qu'il y a eu récemment, il y a eu beaucoup de manifestations par rapport à la politique, à ces conférences-là. Puis, est-ce que tu penses qu'un politicien peut être un activiste en même temps? Non. Je pense que un activiste peut devenir politicien et je pense qu'un politicien peut ensuite redevenir un activiste. Mais je pense que pendant que tu es en fonction, pendant que tu es en mandat, je pense pas que tu peux être un activiste parce que tu n'as pas accès à l'action directe. Puis vraiment, pour moi, être activiste, c'est de chercher des manières concrètes et directes de faire un changement clair, net et précis. Puis autant qu'on pense que les politiciens ont ce pouvoir-là, c'est tellement une grosse machine compliquée avec tellement d'instances politiques qu'il n'y a aucun moyen de faire une action directe. Puis quand tu parles que c'est pas une action directe, mais est-ce que tu penses que la politique peut quand même changer les choses par rapport aux... Absolument! Puis je pense que c'est important que ça se fasse au niveau politique pour que ça soit quelque chose de bien balisé, de bien organisé, de bien cimenté dans la société pour que ça soit vraiment un modèle fonctionnel pour tous au niveau institutionnel. Fait que je pense qu'il y a un gros pouvoir d'action, mais je pense pas que c'est de l'action directe, puis je pense pas que c'est de l'activisme. En politique, est-ce qu'on en fait assez pour contrer le changement climatique en fait? Absolument pas. Je pense que tout nous le dit. Je pense que les solutions qu'on a sont pas proches du cataclysme auquel on va faire face. Je pense qu'on vit dans un monde, une démocratie nord-américaine confortable qui privilégie son confort et son individualisme. Au lieu de prioriser les générations futures, puis vraiment ce qui va être des changements durables, justes pour tous. Greenpeace escalade aujourd'hui la plus haute tour du monde afin de dire à la planète de ne pas se laisser berner par le Canada. Alors que les négociations sur les changements climatiques reprennent, l'administration Bush et le Canada essaient toujours de tuer le protocole de Kyoto. Vous êtes le ministre de l'Environnement et du Changement climatique au Canada, donc merci d'avoir accepté cette entrevue. Ça fait plaisir. Vous avez eu une grande carrière d'activiste avant de rentrer en politique. Mm-hmm. Vous avez participé à multiples manifestations. Vous avez monté la Tour CN pour que le Canada ratifie l'accord de Paris. De Kyoto. De Kyoto. De Kyoto, de Kyoto pardon. De Kyoto. Pourquoi ce saut en politique et est-ce que vous vous considérez toujours comme étant un activiste? Pourquoi le saut en politique? Après 25 ans de militantisme dans le mouvement écologiste, dans les groupes écologistes, je sentais qu'il était temps pour moi d'essayer de poursuivre mon combat pour un environnement plus sain, la lutte au changement climatique,
protection de la nature, hein, que ceux que j'avais utilisés, qui étaient la mobilisation, l'éducation, la sensibilisation, la désobéissance civile non violente à certaines occasions. Et j'estimais que la politique peut être un véhicule de changement. Elle l'a été dans notre société à plusieurs égards. Est-ce que vous vous considérez encore comme étant un activiste? Absolument. Je suis tout aussi militant que je l'étais avant, mais c'est de façon différente. Avant, j'étais un militant à l'extérieur du gouvernement. Maintenant, je suis un militant à l'intérieur du gouvernement. La façon de travailler a changé. Les outils ne sont pas les mêmes. Le désir d'essayer d'améliorer la société dans laquelle je vis, ça n'a pas changé du tout. Est-ce que vous pensez que la politique en fait assez pour les changements climatiques en ce moment? Non, clairement. Il n'y a pas un gouvernement sur la planète qui en fait suffisamment, ce qui inclut certainement le gouvernement canadien. On en fait beaucoup plus qu'on en faisait avant l'arrivée du gouvernement Trudeau. Vous allez me dire que ce n'était pas compliqué parce qu'avant, on ne faisait rien. C'est vrai, mais ce n'est pas juste d'en faire plus. Je pense même qu'il faut accélérer le pas en matière de lutte à la pollution. Mais on n'en fait pas assez, mais on en fait plus qu'on en faisait. Et il faut en faire plus, encore. En tant que jeune, que penses-tu que nous devrions faire pour contrer les changements climatiques? Je pense qu'il faut qu'on s'éduque, je pense qu'il faut qu'on se fasse confiance, je pense qu'il faut qu'on communique entre nous, mais qu'on communique aussi avec les générations passées et futures. Je pense qu'ils ont beaucoup à nous apporter. Il n'y a pas une chose qu'on peut faire, comme il n'y a pas une seule solution. Là, on a besoin de différentes personnes à différents endroits qui font différentes choses, mais qui poursuivent un but qui est semblable, puis qu'ils ont une vision qui est semblable. Puis après ça, pour moi, les outils qu'on utilise, les moyens, c'est un peu secondaire. On va vraiment bénéficier d'un dialogue bienveillant, puis surtout de s'éduquer, autant sur les communautés autochtones que sur l'histoire des industries pétrolières, que ça soit sur nos droits. Je pense vraiment que nous, ce qu'on a à faire en ce moment, c'est s'éduquer et se préparer à cette collapsologie. Nous sommes déjà entrés dans l'ère des changements climatiques. Il y a déjà des impacts des changements climatiques aujourd'hui qui sont mesurés et mesurables, que ce soit ici au Canada, que ce soit ailleurs sur la planète. Et il va y en avoir plus avant d'en avoir moins. Mais plus on agit rapidement, plus on accepte de changer nos façons de faire, de changer nos technologies, de revoir plusieurs des choses qu'on avait prises pour acquis avant, bien, plus on va réussir à rétablir les choses plus rapidement. Nous serons toujours là pour les Québécois et Québécoises et je suis optimiste que nous réaliserons toutes nos promesses électorales dans un délai raisonnable. C'est le temps d'avancer ensemble. C'est le temps d'innover ensemble.